Bien, re-salut, re-coucou tout le monde. On est de retour dans Chouchou Charles, Chouchou. Et on est revenu dans la... comme vous le voyez, on est pas dans le train, non. On est là où il y avait la dernière quête secondaire du jeu. On se retrouve ici, il va falloir que je rejoigne le train en vitesse. Et que j'aille m'occuper de deux autres quêtes importantes. Dont l'une, dont celle-ci, qui est de récupérer le dernier œuf. Et surtout celle-là, la dernière arme du jeu, il va nous la falloir. Bon, par contre, il y a quand même un petit souci. Il va falloir retraverser tout ce bazar. Et je ne vous cache pas, je suis pas très chaud. Mais alors, pas du tout. Et ce, pour des raisons assez évidentes. Enfin, il y a des débris partout, mais j'ai trop la foi. Mais j'en ai déjà pas mal et j'ai trop la force d'y aller. Ouais, parce qu'en plus on a déjà un train amélioré, les débris c'est plus pour ressusciter et réparer mon train. Les débris je prends par là, je prends le pont, je fonce et je fais une belle marche arrière. Comme il faut. Allez hop! On y va. La dernière fois, on avait eu un combat contre Charles et on s'en est bien sorti. Je gère bien. Bon, je perds des points de vie, mais quand même. Je lui mets un max. Je suis à deux doigts de le tuer. Je lui saccage quasiment la moitié de ses points de vie. Et en plus, vous voyez, le train, il est de couleur noire. Il est très moche. Il me reste qu'un seul pot de peinture. Ce qui est déjà pas mal. Hein. On fait des petits progrès. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait attirer l'attention avec ce bidule. Ah bah il y avait un débris partout. Allez. Maintenant, on change les rails. Si on devait continuer... Je me suis posé la question. Si on devait continuer à rouler et continuellement dans le jeu, en fait, on partirait en boucle. C'est sûr et certain. C'est certain, on s'arrêterait jamais. Là, il faudra revenir en arrière et repasser par ici. Il faudra faire pas mal de retours en arrière. En attendant, on avance. Ah, petite ambiance d'horreur, rien de tel pour Halloween. Oh, c'est pile poil mis comme il faut. Ok, j'ai compris. Bon, bah voilà, je m'attendais pas à tomber dessus directement, mais... Voilà, on vient de régler le compte à au moins 3 zigotos qui se sont pris pour Rambo avec des masques ridicules. Ils ont gagné leur journée. Mais 157 débris quand même. Hein. Quoi ? Il y en avait un autre ? Où ça ? Où est-ce qu'il est ? Attends, s'il y en a un autre, on va reculer un peu, hein. Attends, j'ai fait quoi, là ? Oh mince ! Je lui ai roulé dessus, littéralement ! Oh, on peut les tuer en roulant dessus. Zut alors. Bon, par contre, ils font mal au train, ça c'est sûr. Oh bah, je suis...
Ah oh bah ok, bah ça m'économisera quelques balles même si on en a fini. Ouais, des masques, si des morts. Eux ils aiment bien fêter Halloween à l'avance. Bon, ici, c'est pour récupérer les pièces du nouvel arme, qui en plus a l'air imposante. Ouais, maintenant que j'ai réglé leur compte à peu près tout le monde, je devrais pouvoir m'en sortir sans trop de problème. Et je peux toujours pas rentrer. Je m'attendais mais vraiment pas à la belle collection, hein! Eh ben, je sais pas pourquoi ils portent ces masques, mais si ça protège de charme, je veux bien en prendre un. Enfin, dommage qu'on peut pas. Sinon, les habitants de l'île qui m'ont appelé au secours me confondraient avec un DE. Je dis ça, mais enfin, j'ai pas vérifié. Nous creusons depuis plus d'un mois et je commence à me demander ce que nous faisons vraiment ici. On peut voir d'anciennes ruines de pierre au-dessus du sol, ainsi que d'autres ruines découvertes sous terre. Une sorte de temple abrité par une grande caverne a été découverte dans une des autres mines. Nous sommes-nous vraiment en train de creuser pour trouver un filon d'or? Bah, c'est peut-être du fer ou du cuir, hein. Y'a pas quelqu'un d'autre là? Apparemment non. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh! Une clé! Ah bah c'est peut-être la clé qu'il nous faut pour la porte. Excusez-moi pour le bruit. Il y a quelques petits rhumes en ce moment, le temps se rafraîchit. Malgré tout, je fais attention quand même parce que Charles peut me tomber dessus à tout moment. Une question. C'est pas ça. C'est ça. Clé des ruines de la montagne. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on appelle des ruines, mais on va faire avec. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est... Mob camp infiltration, mission terminée. Et je viens d'avoir une nouvelle arme. Et c'est quoi? C'est celle-là. Ouh, Bob! Cadence de tir. Meilleur. Et il y a Charles qui est dans le coin. Ah bah il est là. C'est le moment de tester. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas. Bah. C'est vrai que je l'ai battu plusieurs fois, mais il m'a quand même tué plusieurs autres fois. Quand même, là, c'est surprenant, hein. 74. Alors pas mal, la meilleure cadence de tir est bonne portée, hein. Bizarre.
très risqué ce que je viens de faire. Il a bugué ou quoi? Remarque, s'il a bugué, on n'a qu'à aller tout droit pour revenir ici. Et on sera tranquille. C'est réparé. J'avoue que ça me surprend. Ouais, cadence. Ouais, ça a l'air mieux, hein. En tout cas, on n'a plus qu'à avancer. Hein. Enfin, refaire un tour, quoi. C'est un peu ce qu'on fait sur cette île, on fait des tours. Alors, peut-être pas du rouge, mais on doit aller. Ouais, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est certainement du rouge qu'il va y avoir, ils ont mis quasiment tout. Ou alors, ils ont une autre couleur particulière. Invisible, cramoisi. Regarde, on a du noir, du gris, du blanc, du jaune, du vert, du bleu, indigo, violet, rose, orange, jaune. Alors, je crois que c'est quand même le rouge. Je pense que c'est plutôt le rouge. Alors, ça va être au deuxième arrêt qu'il va falloir changer. J'ai combien d'essence, autant de charbon dans cette locomotive? Parce que pour durer aussi longtemps, il faut quand même penser au carburant. Ah bah tiens, il y avait ça. Ce serait bête de passer à côté, hein. Parce que quand on affrontera Charles à l'ultime combat, à mon avis, il vaut mieux en avoir plein. On arrive bientôt. Cette arme, hein. C'est vrai qu'elle fait de sacrés dégâts, hein. Ah ah. Il part en retraite. C'est bon. Alors, où est-ce qu'on est sur la carte? On doit... Oh bah, on n'est pas très loin. Pour le combat, ça va être du rapide, hein. Et maintenant qu'on a fait sa fête, on devrait être tranquille pour un petit moment. Alors, nous avons essayé et échoué. Lorsque l'épave fut enfin sauvée, personne n'avait survécu. Je suis attristé, désemparé. Ces hommes étaient pour moi des frères, et ce qui a rendu tout cela plus difficile que je ne l'aurais pu l'imaginer. Allez, un peu de débris en plus.
de débris par là. Attends, il y en avait un là. Ah oui. Et juste là. Alors, c'est par ici qu'il se trouverait. Ouais, hein, ici, pas de parler. Il va falloir suivre le chemin et aller jusqu'à la mine. Et là, quelque chose me dit qu'il va y avoir du monde. Ouais, ça va être une vraie petite promenade de santé. Et moi, évidemment, j'ai pas d'armes. Faut que je retourne autre, que je les ramène au train pour pouvoir leur tirer dessus. Quelqu'un ? Avec tous les débris que j'ai là. Ouais, si je meurs, j'en perds 2-3 et je me téléporte au train. Ah voilà. J'ai la clé. Maintenant. On y va doucement. J'ai pas envie de me faire repérer. Le train est trop loin pour que je les y amène et que je les tue. Être chaud pour traverser. No visitors allowed. Eh zut. Me suis fait repérer. J'ai pas bruit de mon passage. Ah, s'il me suit jusqu'au bout, jusqu'au train, par contre, moi je veux bien rigoler. Même. Contre toute attente, il vient. Ça, je l'aurais pas cru. Je suis coincé ou quoi là? Bon, bah ça en fait un en moins. Comme quoi, on peut toujours essayer. J'espère qu'il a pas prévenu ses copains qui étaient à l'intérieur s'il y en avait d'autres. Pitié qu'il n'y en ait pas un qui est spawn, respawn.
drôle de façon de marcher, je trouve. De là, il devrait pas me repérer. J'espère. Parce qu'il y a quand même une grosse fente dans la planche. D'être passé crème. Évidemment, il y en a d'autres. Attends, est-ce qu'il revient en arrière ou il fait un tour? Non, il revient en arrière. Ah, un petit bruit de fond qui nous annonce que Charles est dans le coin. J'espère être bien planqué. Par contre, j'espère qu'il va pas venir jusqu'au bout. Cette partie cachée, ah, d'accord. Je vais essayer de me planquer. Leurs masques, ils sont trop chelous. Et voilà la fin. Le troisième. Intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Peut-être le dernier pot de peinture, on sait jamais. Allez, faut pas que je me rate, pas que je me rate. Et voilà. Yes! Le dernier pot de peinture et succès. Draped out. Il n'y avait rien.
J'ai réussi à les esquiver, les deux autres. Par contre, le premier, il a fait que je le marque mitraille. Où je suis où, là? Ah... Hein? Attends... On peut voir les personnages? Et j'ai eu un succès... On poursuivre longtemps, c'est con. Et le pire, c'est que là, Charles peut arriver à tout moment. Si j'atteins la locomotive, je serai tranquille. Ça fait mal. C'est bon, j'y suis. Et c'est rouge. Je m'aime pas trop, mais... Ah, mais ils sont assistants. Ils sont assistants, on dirait. Ils tiennent vraiment à mourir. Et du coup, on a eu tout. Oh, c'est génial. Bah du coup, la prochaine fois, ce sera pour ça, hein. Il n'y aura pas 3000 choses à faire. Bah, il n'y a plus qu'Arc. Bah, sur ce, messieurs, dames, hein. Portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé me voir galérer et réussir pour une fois. Abonnez-vous à la chaîne pour assister à la dernière partie de ce let's play. Bah oui, c'est la dernière vidéo. Oh, c'est sûr et certain. Hop, activez la cloche. Lâchez une notification, si on ne peut rien rater. Laissez quelques commentaires par-ci par-là. Sur ce, au revoir, à la prochaine. Ouh, ça va être un bon Halloween, là.